Hello la gang! J'espère que vous allez bien. Il est 8h30 et j'ai un rendez-vous à 9h. Donc, je dois boire mon smoothie très rapidement. Je me suis fait un bon aztèque de Épicure. Un bon aztèque de Evie. Je rajoute tout un banane puis du beurre de pignon. Mais c'est ça. Donc, je voulais juste vous dire un petit coucou que j'allais commencer un vlog ce matin. Journée de congé aujourd'hui. Puis, je m'en vais me faire les ongles. Donc, on va faire un petit avant-après. Donc, voici ceux-là qui sont encore intacts. Oh, oui! Il dit, montre les pattes à Molly. Francis est tellement vaillant, là. Il est tellement vaillant. C'est comme... La vie Molly, c'est comme un exploit, là. C'est comme un moment. Puis, ça va de mieux en mieux, par exemple. Mais là, il fait ça tout seul, à la maison. Habituellement, on va... dans le pet wash, là, au magasin, on a une place pour laver les chiens. Comme un lave-auto, mais de chiens. Mais là, on a essayé à la maison avant-hier. Ça s'est vraiment bien passé. Puis même couper ses ongles étaient trop longs. Là, tout s'est bien passé quand même. Mais elle a vraiment des beaux ongles. Elle est toute belle. Mm. Mais ouais, mes deux pouces sont partis. Ils ont cassé. Donc, je vais aller... me faire des beaux petits ongles roses. Donc, je vous dis ça. Et je vous dis peut-être que je vais probablement changer de shape. Ça me tente de retourner aux sources, de retourner à comme mes ongles d'avant. Peut-être d'avoir comme des almond nails. On verra. Almond, comme la forme d'une amande. Comme pas piquant, mais comme rond, genre, c'est bon. On verra. Mais c'est ça, je voulais juste vous dire un petit coucou. Comment ça va? Aller boire ça, me laver les dents, puis aller chercher de l'argent à la caisse. Let's go! Et petit plan du jour. Donc, aller me chercher un fer frisé. J'adore mon Dyson, mais j'adore mon bon vieux qui me fait des curls parce que je sais pas, à l'école, je peux pas le temps de me faire des curls de Dyson le matin, puis ça reste pas. J'adore pour me sécher. Là. Comme là, je m'ai séché, puis comme. Semi-redis les cheveux de mon Dyson. Mais pas redis, mais juste comme. T'sais. Bye! Bye, mon homme. Puis, donc, j'ai besoin d'un bon vieux, là. Il vient d'arrêter de faire des curls. Puis, sinon, probablement un petit dîner festif. Genre, dîner self-care. Et qui est des sushis. Donc, on se parle tantôt pour mes petits plans du jour. Hello, la gang! Ça fait peut-être même pas 2 minutes qu'on s'est parlé. Mais j'aime tout le temps vous dire un petit coucou dans l'auto. On dirait que je me sens folle. Mais oh, je vais pas m'attacher, je vais chercher de l'argent. C'est comme legit, comme dans ma cour. Donc, je vous aime bien gros. Et c'est ça, je vais juste vous dire un petit coucou en direct de mon auto. Là, direction les ongles. Petit dernier sneak peek. Je les ai adorés, ces petits ongles-là. Ouh. Et c'est pas mal ça. Je vous laisse. Et là, j'ai essayé de mettre mes clans un petit peu plus clairs dans ma tête. J'aimerais aller au Dolo. J'aimerais aller au Sally's. J'aimerais peut-être aller au Walmart si je trouve rien au Sally's. Et sushi. Donc, c'est pas mal ça, mes petits plans. Ah, peut-être à l'aubainerie. J'aimerais peut-être aller voir là aussi. Donc, c'est pas mal ça que vous allez voir dans ce petit vlog self-care. Donc, si jamais vous voulez me suivre dans ma petite journée, mi self-care day, je vous invite à rester ici. Je pense que ça fait 5 minutes que je vous parle, puis que je savais pas appuyer sur le bouton. Malaise! Mais je disais juste que je viens de sortir de mes ongles, mais je vais les montrer à la maison parce que je suis comme pas vraiment dans le bon angle pour vous montrer. Mais je suis obsesse, comme si c'est les plus beaux ongles du monde. Genre, je suis capote. Puis là, je me garde les ongles, puis là, je me garde comme le chandail. C'est comme, tu sais, des fois, la laine, ça fait de la moumoute, là. Là, je me passe ma machine à moumoute. Là, je suis en train de m'enlever des boubous. Mais pour vrai, j'adore, j'ai changé la shape, j'ai genre des ongles de unicorn. I'm a unicorn. Je suis capote. Mais ouais, donc pour continuer ma journée self-care, je suis venue me chercher un café cold brew, un maple cold brew, non, maple nitro cold brew avec un peu de classe, du souriant.
et c'est le meilleur café du monde et c'est les plus cute personnes. Je les adore, ils sont trop mignons. Donc j'ai presque pris un sandwich déjeuner juste parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris un, puis c'était comme quand même l'heure semi-déjeuner, mais j'ai une lunch date avec ma girl, avec Gerrit. Ça va être le fun, une bestie date. Mais sur son heure de dîner. Donc j'étais comme, je vais prendre un petit café et une muffin. Sérieusement, c'est les meilleures muffins de l'univers. Et en plus, elles sont encore chaudes, comme elles viennent de sortir du four. Hein. Moi, je prends tout le temps, comme je sais qu'il y a plein de bonnes sortes, mais moi, je suis vraiment une chocolat banane girl. Elles sont chaudes. Je pense que je vais capoter. Moi, là, j'adore manger le top de la muffin. Je vais le garder en dernier. Mais c'est ça. Donc, je vis ma best life, je mange ma muffin. Puis après, je vais aller signer une petite feuille à un endroit que je dois aller pour mes impôts. Je vais aller signer ça. Puis, j'aimerais me trouver un fer, comme je vous ai dit tantôt. Là, j'avais juste comme un Revlon. Je l'aimais comme correct. Mais j'aimerais avoir comme le original. Comme, je me souviens plus trop de la marque, là, mais on dirait qu'on avait tout le même fer. Comme quand on était au secondaire, puis comme on dirait qu'il fonctionnait bien. Puis moi, c'est ce que j'ai besoin comme dans ma vie, genre dans mon daily basis. Je veux juste avoir des petites girls qui me tiennent puis qui vite là. Puis quand j'ai plus de temps, là je me fais des girls avec mon Dyson. Et quand que ça me dérange pas, genre s'ils viennent plus lousses. Mais ouais. Sinon c'est ça. On va aller dîner après. Puis, je vais vous montrer mes petits achats si j'en fais. Mais là, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Là. Mais oui. Là, je vais vous dire un petit coucou. Parce que j'adore les muffins. Et l'ambiance. Oh, souriant. Mais pour vrai, l'ambiance, ça change tout. Comme quand tu vas dans une place pis t'es comme oh oh c'est fun. On dirait que c'est comme ton expérience est meilleure. Puis des fois tu vas à des places pis comme des fois c'est ça je trouve, comme je vous avais dit ça l'autre jour pour le fromage là, j'avais dit une place pour un fromage pis moi j'étais à zigziter pis comme le monsieur rejoignait pas mon énergie là. Donc pis tu sais, le monsieur il se demande que je fais, il me garde au bout là. Il fait trop fou qu'il se tourne. Mais c'est ça. Moi, je suis tout le temps comme trop énervée. Puis comme des fois, comme je pense que comme les gens, faut qu'ils sont énervés de même. Mais ça arrive pas tout le temps. Mais comme quand ça arrive, c'est le fun. J'ai peut-être pas rapport là. Mais je suis certaine que vous comprenez un petit peu là. Mais bon. Donc sur ce, je vous laisse. Et on se reparlera plus tard. Gardez le reste. Pour plus tard. Ben, c'est comme des géants grosses muffins. Ils sont tellement bonnes. Je capote. À tantôt. Hola. je suis dans le stationnement du Cast and Crew. On ne s'est pas dit où est-ce qu'on allait. Mais je suis pas mal sûr, c'est ça. C'est près du travail, mon ami. Donc, j'imagine que c'est là. Pendant que je l'attends, je me suis dit que j'allais faire un mini haul Shoppers. Moi, vous savez comment j'ai passion. Lèvres, passion. Mais j'adore le maquillage, mais comme tu sais, je veux pas comme. Je veux pas être la première à m'acheter genre comme une palette de yeux ou comme. Tu sais, j'aime comme mon basic de visage, mais tout ce qui est par rapport. Tout ce qui est. Pose mes mots. J'en perds mes mots tellement je capote. Je sais pas si vous entendez comme un gros bruit, c'est que j'ai chaud dans l'auto. Je pourrais mettre un petit peu l'air, c'est que je veux pas que ça me dérange. Moi, c'est passion les babines. Non, j'ai peur, ça vous dérange trop. Je vais baisser ça, ça ne dérange pas. Ouais, mes babines, j'aime ça qu'elles sont hydratées, j'aime ça qu'elles sont brillantes, je capote. Et donc, j'allais préalablement pour... Il y a du monde qui arrive, puis ils vont voir. C'est pas grave, hein? Je m'assure. J'allais préalablement pour me prendre du Clarins. Je me suis dit, je vais me prendre une petite huile. Et là, j'ai vraiment tout fait le contraire.
Premièrement, j'allais pour des bonnes vieilles Claritin. Passion allergie. J'ai pas le choix de prendre ça, sinon j'ai de la misère à fonctionner. Puis là, ça fait une semaine que j'en prends pas et j'achoue pendant au moins une bonne heure là, à l'heure du coucher. Donc là, la gang, je suis le shoppers de mon coin sur Instagram. Parce qu'ils sont sur Instagram, Shoppers Bathers. Et moi, j'adore celles qui travaillent là. Puis tu sais, tantôt, je parlais d'énergie. J'adore quand j'aime qui me sert. Je suis certaine que je suis pas la seule comme ça. Mais j'adore l'autre petite madame là, qui est là souvent aussi, mais j'adore l'autre. Bonjour. Je vais peut-être passer ici. Mais dans le fond, il y avait une nouvelle compagnie qui vient de rentrer. Ça s'appelle Winky Lux. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça au Canada. Puis ça a l'air, c'est comme ben trendy sur TikTok. Et je me suis fait complètement influencer. Donc ça a remplacé mon huile Clarence pour aujourd'hui. C'est pas une huile, c'est plus comme un baume à lèvres. C'est comme un lip. Oh, c'est du carré de carré. C'est. Non. Comme un. Tu sais, un lipstick, genre. Un baume. Mais au pH. pH, c'est ça. Donc, chaque personne qui peut le prendre, ça va pas être la même couleur. Dans le fond, il est transparent, puis comme il se met comme à la couleur de nos lèvres. Sauf comme à notre pH. Là, c'est pas la première fois que j'entends ça pour des produits pour les lèvres, mais c'est parce que, premièrement, regardez comment il est magnifique. Et là, vous pensez, oh, tu sais, il doit être comme juste transparent normal, tu sais, il a juste vu sa best life. Non. Regardez. Il est rainbow, la gang. Dans le fond, il est comme mes ongles. Est-ce que vous voyez? Je vais faire la Cynthia du Lud de moi-même. Il est brillant. Brillant, 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 brillant. Je peux pas en dire. Ça a l'air, c'est ça, c'est texture. Ouh! Oh my god, il est déjà en train de lire rose. Je sais pas, vous voyez, là, gars. Là, c'est le côté de mon doigt. Et là, je vais le mettre un petit peu ici. Il change un peu de couleur. Ben là, c'est difficile à... Oh, mon doux, il est rose, rose, rose. Oh, mon doux. Puis j'aime la texture. C'est pas... Ouais, c'est vraiment comme lip gloss, là. Lip... Oh, mon doux, mais il n'y a pas l'air collant, comme. Oh, mon doux, ça a l'air resté un petit peu. Oh, un beau petit rose. Voyez-vous? Non, 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 non. Mon pH est rose, la gang. Je capote. Sinon, nous avons ça. Sinon, j'ai aussi... j'ai pris 3 produits, dans le fond. Ils étaient tout en spécial. Ben, ces deux-là étaient comme en spéciaux. Ceux-là, je les ai vus souvent sur TikTok. C'est Yummy Fresh Gloss. De CoverGirl. Et ça ressemble à ça. Ça, c'est vraiment plus comme un lip gloss. Moi, je suis moins lip gloss dans la vie. Je suis plus des huiles, des glosses, mais pas collant. Celui-ci, ça a de l'air, elle m'a dit qu'il était un petit peu collant. Ça, c'est un petit peu malaisant. J'aime moins, mais ça a l'air une petite fiche, comme une petite fine couche. C'est moins pire, hein. Mais j'avais pas le choix. La senteur, la gang, vous dire. Puis j'adore l'embout. C'est comme un gros embout. Prends-moi ça. J'ai pris Coconut About You. Donc, comme Crazy About You, mais Coconut About You. Puis ça sent... Ça sent tellement bon, ça sent le sud. Ça sent le sud. J'ai hâte de me mettre ça sur les babines. J'ai hâte. Et l'autre chose, vous savez que dans chaque pièce, pas mal dans la maison, j'ai un lanège. Mais là, la gang, j'ai appris malheureusement, ça fait un petit bout là que je sais, c'est j'ai su une grande nouvelle que je ne savais pas. Dans le fond, lanège est pas cruelty free. C'est comme ils font encore des tests sur les animaux. Mais genre, comme on est en 2023, je comprends pas vraiment que ça se fait encore. Mais tu sais, de là à tout jeter mes peaux, tu sais, non. Puis tu sais, j'aime ça, mais si je me dis comme ils vont-tu comme faire un changement? Comme serait le temps, comme me semble qu'ils changent le test, là, comme c'est-tu nécessaire, là? So, j'essaie de me trouver comme une autre alternative. Ça a l'air que le nouveau masque de Rare Beauty, ça a l'air qui est vraiment nice, comme de Fenty, là.
Non, pas Red Rudy, de Fenty, je veux dire. Ça, c'est deux marques. Il y a trop de marques. Il y a tellement de marques depuis le début de la Coco. Donc, c'est ça. C'est lui de Rihanna. Ça, c'est Fenty. Ça, là, il est vraiment nice. Puis, c'est comme une petite pompe. Comme au mi, genre. Comme, tu vois, comme ça. Puis là, ça sort juste la bonne quantité. Mais ouais, donc, si jamais vous ne saviez pas la neige, c'est ça. Mais, Elf. Ils ont eu un gros kiosque là, dans le fond de Elf. Puis, première fois que je voyais ça, un petit Elf. C'est justement la même chose. Masque pour les lèvres. Puis, je pense qu'il était 9,99. Bonjour, ma grande chum! Bonjour. J'ai mis une place que tu voulais aller ou? Moi, je t'attends au casse. Moi, je T'es-tu déjà là? Oui. Je m'en viens. Non, ben, prends ton temps, ça y est, encore, je suis en train de vlogger, puis j'ai dit, je sais pas où est-ce qu'on va, mais j'imagine c'est ça. C'est parfait, on va manger une salade. Ben, c'est beau, je mets mon manteau, je m'en viens. OK. OK, bye. C'est ça. Donc, ouais. Oh, ça vient même avec une petite spatule, là. Ça vient comme ça, puis ça a l'air pas mal... Oh, cute. Lip mask. Donc, tu sais, on s'entend que c'est un plus petit format, mais tu sais, le prix allait avec, là. C'était le un quart du prix qu'un vrai laneige. Donc, oh, un tiers du prix qu'un laneige, parce qu'il y a le un tiers du produit. Mais il y a de l'air quand même d'avoir beaucoup. Une petite odeur fraîche. Donc, je vous en laisserai des nouvelles, mais moi, tout ce qui élève, là, je capote. Donc, c'est Elf Skin. Puis en plus, ça, j'y disais, j'étais comme, ça serait-tu possible tout à boire ici? T'sais, les compagnies font par exprès, là. Tout est tellement beau. Tout est comme esthétique. Tout est comme les belles couleurs. Comme, je capote. Et là, j'ai eu plein d'échantillons. J'ai eu un petit échantillon de fond de teint. De Clarins. Donc, voilà. Elle m'a aussi donné une crème pour les yeux. De Clarins. Moi, j'adore tout ce que Clarins, vous savez. Donc, comme ça, une petite crème pour les yeux. Puis, les échantillons Clarins, là, pour vrai, c'est comme des bons échantillons. C'est comme des gros 16 quand même. Là. Oh, light baby pink. J'adore. Regardez comment la petite bouteille est mignonne. OK. Puis, celle-là, elle a dit qu'elle aimait vraiment. Ça a l'air qu'elle est bonne. C'est une huile. Une huile orchidée. Oh, excusez-moi, pardon. Orchidée bleue. Hydrate, ravive l'éclat. Peau déshydratée. Wow! 100% extrait de plantes. Aux extraits de plantes. Avez-vous compris? Extrait de plantes. Mais c'est ça. Donc, oh, putain! Regardez comment elle est belle. Non, une petite huile. Puis comment? Y a-tu comme une pipette ou tu juste. Oh, ok, tu de la ville. Jaune en plus. Comme le soleil. Petite huile de soleil. Donc, c'était mes achats de babine, la gang. C'était pas mal ça. Il manque juste mon fer. Puis, je vais avoir fait mes achats de la journée. Bien contente de tout ça. Sur ce, je vous aime fort et je m'en vais manger des halloumi fried. On se retrouve un peu plus tard. Je suis arrivée, ça fait un bout, là, de faire mes commissions. Puis, je faisais des petites choses à la maison. Puis, j'ai que les mollies. Mais, moi, ouais, si jamais vous êtes curieuse de quel fer je me suis acheté, j'ai... je pense que je vous disais, là, que j'avais un fer, là, longtemps passé, là, c'était comme un rose, là. Ben, c'est la même marque. C'est juste, là, j'imagine, c'est la version 2023, là. Donc, je mets juste pour ça, là, bien simple. Je l'ai trouvé au Sally's, puis c'est juste que j'ai besoin là, pour faire mes petites curls. J'ai hâte de voir, en plus c'est rose. Sinon, j'avais le goût de faire un petit test avec vous. Là, non, mais c'est mourable. Je l'avais vraiment essayé sur ma main, puis ça faisait comme un petit rose. J'ai hâte de voir sur mes lèvres.
On va voir ça ensemble. Petit, j'allais pas dire taste test, mais non. Petit test de Freddy. Je regarde sur le côté, là. Ça va sortir comme le petit rosé, genre, de mes lèvres. Voyez-vous, ça fait comme un petit... un petit rose. Je pense que ça va faire comme un petit... Pas fuchsia, mais un petit... voyez-vous? Une petite couleur! Faut juste que tu te souviennes dans ta tête que comme ça change un peu de couleur, c'est comme pas d'en mettre plein. J'imagine peut-être que ça va peut-être venir plus foncé. Les petites babines, c'est doux sur les lèvres. C'est vraiment comme confortable. C'est comme le fun. Ça ressemble un petit peu comme à la couleur là. Vous trouvez-vous? C'est comme cute. T'sais, mes lèvres sont pas roses comme ça d'habitude là. J'adore. Très mignon. C'est à quel point que j'userais ça tout le temps, non là. Mais quand tu veux une petite couleur là, ça fait funky. Sinon, on dirait qu'on est dans les hauls et dans les colis, mais regarde, c'est ça qui se passe. Je me suis... On dirait que c'est comme... Il y a des drôles de bruits. Je sais pas si mes produits ont ouvert ou quoi, mais j'ai une commande chez Umi. Mais j'ai commandé genre comme 2 jours passés, sauf je pense pas... C'est ma commande qui vient d'arriver déjà. Est-ce que c'est un petit colis surprise ou quoi? On va regarder. Premièrement. Oh! C'est-tu ma commande déjà? Mon doux! Comme j'ai commandé ça 2 jours passés. Il faut qu'ils le font. Eh oui, c'est toutes mes affaires. My God! J'ai commandé genre toute ma gamme complète. Peau jour, nuit, sérum. Puis je dois vous dire merci d'ailleurs parce que c'est grâce à vous. Si je me suis toute commandé ça, moi ça m'a pas coûté de sous. Donc je suis très contente. Donc dans le fond, c'est pour ça comme quand je vous dis que j'ai des codes affiliés puis il y a des codes qui n'est pas affiliés. Donc les codes affiliés. Ça rapporte comme une petite ristourne dans le fond. Puis moi, quand vous faites des commandes, ben, ça me fait des petits sous. Puis je les garde tout le temps pour acheter mes produits. Donc là, j'ai ma nouvelle routine. Donc je capote. Je m'enlignais pas mal sur la fin. Donc j'ai ma crème de jour. J'ai ma crème de nuit. Ensuite, j'ai ma crème aussi. Ils ont tout changé leur packaging. Donc là, c'est le nouveau packaging de leur crème pour le contour des yeux. Je me suis reprocuré mon eau d'aquifère que j'aime beaucoup. Ça, j'adore quand je sors de la douche ou le matin ou peu importe quand, là, j'adore. Comme je pourrais m'en mettre tout de suite, là. Mais surtout quand je sors de la douche, je sens comme si quand je sors de la douche, ma peau est comme active. Puis là, j'en mets un petit peu puis ça comme apaise ma peau. Ensuite, mon petit sérum. Et pour terminer, ben, il donnait là, ce moment à ce temps-ci, ou je sais pas si c'est comme ça fait un petit bout, là, mais en tout cas, il donnait un échantillon de leur huile comme ça. L'huile vitamine C, puis radiance et tout. Mais je l'aime beaucoup, là, je l'ai, puis je l'adore. Tu la mets le soir, tu te réveilles le matin, là, ta peau est douce. Donc, c'est ça, mes petits produits Umi. Puis en plus, ça trotte vite. Seigneur. Donc, c'est ça. J'ai toujours mon lien dans la barre info, si jamais. C'est Mylène C pour 10%. Ça vous sauve des petits sous. Et ça va pas mal être ça, la gang, pour les colis du jour et achats du jour. Journée self-care, journée de petites dépenses. Mais, ouais, sinon pour le souper, là il est 4h, je vais commencer tranquillement, pas vite. Je vais faire des quesadillas, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis j'avais comme le goût de manger ça. Donc des bons quesadillas. Puis avec une salade César, avec des petits nachos. Donc ça va pas mal être ça. Non, ça va pas mal être ça. Donc, je vous laisse, puis je vais aller commencer le montage de la fête à Molly. Donc, vous aurez déjà vu le vlog, mais moi, je vais aller faire un petit montage.
J'aimerais peut-être prendre aussi des petites photos de mes ongles. Oh, je vous les montrer d'ailleurs. Regardez mes petits ongles de proche. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai changé de shape. J'ai fait une petite shape amande, là, almond, comme on appelle. Puis, c'est ça. Donc, j'adore. Elle a mis comme un perlé. Comme là, ils ont juste la perlée comme vraiment couleur perle. Mais comme au soleil, puis tout, comme là, je les regarde, ils sont comme perlés, comme jaune, vert, je sais pas trop. Là, ils sont perlés comme rose. Là, c'est vraiment merveilleux. C'est l'arc-en-ciel. Puis là, un beau petit rose, puis un beau petit mauve. Donc, je capote. J'ai l'air d'avoir des petits ongles de licorne. En plus, ça fait comme des petits cocos de Pâques. Mais j'adore. Donc, sur ce, on se laisse et on se parle tantôt. Salut la gang! On se retrouve, là on dirait peut-être c'est comme le soir du même, de la même journée, mais on se retrouve le lendemain dans le fond, donc là on est jeudi, et du jeudi soir je sors de la douche, je vais faire mes petits soins, puis c'est ça, j'ai pensé que j'allais les faire avec vous, puis après j'allais vous quitter. Mais... ouais, donc mon petit bébé m'attend pour une petite soirée cinéma. Il dit, j'aimerais ça faire une date avec ma femme. J'étais comme, j'ai dit, tu veux faire quoi? Il dit, je vais nous préparer un setup. Puis il dit, je vais nous faire des petites prêtes. Puis il dit, j'aimerais qu'on écoute un film en amoureux. Il nous a loué un film que ça fait longtemps qu'on veut écouter. Quand on est allé à Disney, on est allé souvent au cinéma. Dans l'après-midi, ça nous donnait un petit bruit de jambes. Je vais faire mes soins en même temps que je vous parle, sinon je finirai pas. C'est tous mes produits Domi, là. Mais comme genre, quand je sors de la douche, je capote, ça me fait vivre. Mais bon. Et puis aussi l'huile, je pensais qu'il fallait la mettre entre le sérum puis la crème, mais j'ai bien lu les affaires Domi. C'est comme si il faut vraiment comme la mettre à la fin, dernière étape. OK. Je l'adore. Le lendemain, là, j'en ai pas été douce. Mais bon, que je disais? Oui, ça, on est allé au cinéma souvent, puis on avait vu un film, ça avait tellement l'air bon. C'est un monsieur, c'est un acteur que Francis aime beaucoup, là. J'ai oublié son nom juste comme ça, moi, je suis pas bonne. Mais c'est un monsieur, je sais pas si il allait en prison ou qu'il a pas été, ou qu'il avait juste besoin de faire des heures supplémentaires. Ou comme en communauté, ou ça se peut, c'est même pas ça, mais qui était comme un coach avant, mais là il pouvait plus coacher, c'est une histoire de même. Puis là finalement, il a dû coacher une équipe d'enfants, mais plutôt de jeunes, trisomiques ou ayant des besoins, mais la majorité je pense, non, la trisomie 21. Mais ça a tellement l'air cute, ça a tellement l'air bon, ils ont tellement l'air attachant. Donc j'ai vraiment hâte. Puis comme, ben évidemment, là, c'est genre, on comprend probablement tout le film. Là. C'est au début, il veut pas. Puis là, après, ben là, il y a plein de petites choses qui se passent. Puis là, à la fin, ils s'aiment, ils s'adorent. Probablement ça, là. Puis c'est tellement mon genre de film, j'adore. Je suis pas la fille qui adore le plus écouter du sport, là, comme... je suis pas une fan de sport, mais les films de sport comme ça, je trouve tout le temps il y a des belles histoires, puis comme des belles morales. Donc, j'ai hâte d'écouter ça. Sinon, ben c'est ça, moi, pour demain, c'est vendredi. Donc, dernière journée de la semaine, ça s'annonce une belle journée. J'ai plein de belles petites activités prévues avec les cocos. Puis, dernière étape, bon, ben, je vais mettre ma crème pour les petits yeux avant. Mais c'est ça. Donc, avant de vous quitter aussi, je vais faire mon petit segment genre review, favori de la semaine, favori du moment. Fait un petit bout que je vous ai pas fait ça. Dans le fond, j'ai comme deux produits du moment, favori de la semaine. Puis deux reviews que je voulais vous faire de hier. Ma petite crème contre tous les yeux, le reste qui reste, je le mets ici. Dans le fond, je vais... oh, mais j'ai-tu fini mon huile? Oh, mais je vais prendre le sac à oui. Oups! Donc là, je vais juste mettre ma petite pipette d'huile.
Ça, quand je vous parle pas à la caméra, je le mets avec comme mon. Je m'amuse à frotter mon gua sha. Puis je me sens vraiment comme une vraie beauty guru. Mais là, je vais le faire avec mes mains là, pour le besoin de la cause. Mais ouais, donc j'ai testé mon gloss de CoverGirl au coconut. Que je vous disais qu'il paraît que comme qu'il est un petit peu plus collant. Mais pour vrai, je l'ai mis tantôt là. Puis il est vraiment comme plaisant. Il est pas tant. J'ai juste mis une couche. J'adore l'applicateur. Moi, je suis team gros applicateur de gloss, là. Comme, tu sais, lui de Clarins, je l'aime beaucoup. J'aime pas quand le petit bout, il est comme du, puis il est comme... J'aime pas ça. J'aime quand c'est comme doux. Sinon, donc dans le fond, c'est lui que je parle. J'adore l'odeur. Donc, si jamais vous cherchez un petit gloss pas trop cher, là, t'sais, on s'entend que ça doit pas faire des miracles, là, mais c'est rien pour... Un beau petit glow. Et je pense que ça va être tout là, pour mon visage. J'étais juste en train de... Peut-être avant de me coucher, je me mettrai un petit masque de nuit. J'adore. Sinon, pour le e.l.f., le masque pour les lèvres, je l'aime vraiment. Il sent frais, genre je sais pas qu'est-ce qu'il sent. C'est comme s'il sent... C'est drôle que je veux dire, mais... Il sent comme l'eau. Il sent l'eau fraîche, comme la bonne eau fraîche glaciale. Ça sent ça. Puis il est vraiment hydratant. Comme... Pour vrai, je l'aime beaucoup. Pour le prix, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Comme c'est comme un petit format, là. T'sais, on s'entend que c'est beaucoup plus petit que la neige, là. Mais ouais, pour vrai, là. Quand même... Bien surprise de ça. Donc, c'était mes petits deux reviews pour mes produits d'hier. Et pour mes coups de cœur favoris du moment, nous avons un produit self-care et un produit nourriture. Donc, côté self-care, dernièrement, je capote sur cette odeur. Vous savez peut-être mon amour pour les shower steamers des cousines, c'est un de mes produits. Je pense pas mal mon produit préf là, que j'ai découvert grâce aux cousines. Les bath soap, là, les sour steamers, comme genre une bombe de bain, mais pour la douche. Puis là, je regarde en haut parce que eucalyptus et menthe, c'est comme mon odeur comme de prédilection pour la douche. Et comme, tu sais, c'est thérapeutique, on dirait, c'est comme spa. Mais quand je suis allée à la boutique l'autre jour pour mon photo shoot, j'ai pas... Il n'y en avait plus des eucalyptus. Mais il en restait un sac de... Orange et lemon. So, celui-là. Et pour vrai, la gang, c'est comme si, genre, je prends ma douche dans un champ d'arbres d'orange. Genre, c'est comme si je me sens comme en Floride quand tu, comme, bois un jus d'orange frais. Ou comme au marché à Dieppe. Je me sens comme au marché à Dieppe quand je bois et je crave. Depuis qu'on a bu ça, là, j'en boirais un tous les jours. J'aimerais me squeezer des oranges dans un verre tous les matins. Juste pour dire comment j'aime quand ça sent comme le frais, l'orange. J'adore. Ça sent le printemps. Ça sent ce que ça sent pas dehors en ce moment, en cette tempête de neige. Parce que, ouais, même tempête en ce moment même. Ce matin, j'ai fait une belle story de moi. Vive le soleil! I got a pocket full of no sunshine. I got a love and I know. Et là... C'est genre, c'est comme let it go, let it snow dehors, là. Ça va pas. Donc, Bar of Soap, les cousines, Mylène 10, on aime. Et là, vous allez peut-être rire. Je sais pas si ça existait depuis un moment, mais mon bébé avait pas goûté. Ma belle-sœur, ma mère, personne n'avait goûté. Et je vous jure, je capote. Passion, yum yum. Je trouve que les yum yum sont comme... underrated. Je trouve qu'ils sont pas comme assez mis de l'avant. Les yum yum au fromage devant un feu de camp avec un petit s'more sur le snack. Sur le snack. Un petit s'more sur le side comme snack. C'était comme trop de mots en même temps. Mais juste comme les yum yum pour moi, ça a comme pas mal défini mon été. Et ben, tu sais, il n'y a rien qui dépasse les Miss Vicky's, mais comme pour vrai, je trouve yum yum au fromage, un petit hot dog cuit sur le feu. Avec genre la vue sur la mer, c'est comme pas mal ma définition d'une soirée parfaite d'été.
nous. Et vous savez peut-être que moi, je suis une fanatique de comme genre de popcorn au pickle, de chips au pickle, les Miss Vickies au pickle. Tout ce qu'il y a saveur de pickle. Mais demande-moi pas de croquer d'un pickle. Je commence à améliorer genre mon goût. J'apprécie ça de plus en plus. Mais, tu sais, il faut que je comme, me prépare mentalement. Je suis pas comme, oh my god, pickle. Comme, moi, cet amour-là est plus vis-à-vis les olives. Donne-moi un bol d'olives, je vais les manger au complet. D'ailleurs, je veux mettre la main sur les nouvelles olives de Emma Leger. Emma Leger, t'sais, en français c'est Emma Leger, mais c'est une anglaise. Donc moi je m'imagine c'est comme Emma Leger. Je m'imagine ça dans la tête. C'est pour les gens qui la connaissent pas, c'est une créatrice de contenu de comme genre Vancouver, Toronto. Je pense que c'est plus Toronto. Là. En tout cas, elle est un petit peu partout. Là, se promène. Elle est comme jamais trop à la maison. Mais je l'adore. Elle est comme vraiment contenu fashion, voyage. Esthétique. Je l'aime beaucoup. Et elle boit toujours, 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 toujours des Dirty Martini. Puis là, elle a sorti sa gamme d'olives. Et j'aimerais les avoir. Juste parce que les peaux sont mignons. Et l'autre jour, j'ai manqué son lancement. Juste parce que j'étais au travail. Puis là, j'étais comme, je vais pas commander des olives sur ma pause du travail. On va se calmer. On va prendre un, deux secondes. Et finalement, j'arrive à la maison. Je me mets la main sur deux paquets d'olives. Et il en restait juste comme aux États. Puis le stock du Canada était sold out. Mais c'est ça, tout ça pour vous dire. Je saute de mon sac à vous parler des olives de Emma Leger. Mourable. Mais ouais, passion olive. Comme d'ailleurs, j'ai vu une fille sur TikTok. Genre comme au Québec. Je sais pas dans quelle région du Québec. Mais elle a été dans un magasin, puis il y avait comme des olives en vrac, mais comme des olives funky, des olives épicées, des olives au fromage, des olives comme come to mama. J'adore. Ok, on finit le segment de ce vlog avec les yum yum cornichons crémeux à l'agnette. Donc, Christine et Vanessa, si jamais vous êtes ici, deux filles ordinaires, bouffe louche, ce n'est pas louche, c'est très noum, mais je vous les conseille. Pour vrai, c'est les ruffles, yum yum. Rien de mieux qu'un petit ruffle, ça, comme ça ajoute un petit crunch sous la dent. Pour vrai, ils sont comme crémeuses. Sont comme, il y a comme une texture par là-dessus, c'est comme, pas fromager, mais tu sais, ça le dit, c'est crémeux, c'est comme un câlin sous les dents, à saveur de pickle. Donc, je vous montre le sac. Vous me direz si vous les avez déjà vus. Vous me direz si vous les avez déjà mangés. Puis comme, je sais qu'on est plusieurs à avoir une passion chip. Puis quand je découvre un chip, puis que j'ai comme une passion envers cette chip, je pense à Alex Larouche. Et j'ai comme la petite larme. Je vous jure que j'ai rêvé que j'allais à Maison Lavance cette année. Johnny, je parle de toi. Bonjour, c'était Coutu. Et c'était rendu ici, je veux dire. J'allais à Maison Lavance avec Johnny. J'avais une date avec elle. Il y avait genre mon babe, il y avait son boy, boyfriend, il y avait Gégé, puis on allait rejoindre Alex Larouche et sa famille. C'était un gros rêve, c'était beaucoup d'émotions. Je me suis réveillée, j'avais la larme ici, mais c'est juste parce que je sais comment Alex avait goûté des chips avec nous, puis c'est comme si que comme je filerais pour la FaceTime puis lui dire. Donc, petit Alex, tu es dans mon cœur. Donc, sur ces paroles qui font pas trop d'allure, je vous laisse la gang. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog. Je serais peut-être curieuse de savoir, vous, vos petits favoris du moment. Avez-vous favoris de la semaine, favoris du moment, n'importe quelle catégorie. Toutes catégories confondues, j'aimerais ça savoir. Et c'est pas mal ça. Donc, merci d'avoir écouté dans ma petite journée self-care. Et puis sur ce, vous, je vous souhaite une bonne fin de semaine ou bon début de semaine. Dépendamment quand je mets ce vlog-ci. Mais bon début du mois d'avril aussi. C'est déjà le mois d'avril. Ça n'a aucun sens. La vie fly. Donc, je vous aime bien gros. Merci pour tout. Et on se voit très bientôt dans un prochain vlog.